Cameroon, Bandu, Africa, Bandu, to the world, Bandu. Les Africains ne sont plus dupes. On n'est pas, c'est-à-dire que les éléments qu'on utilise pour jouer avec. Les amis, si rien n'est fait, d'ici quelques années, les Nations Unies vont disparaître. Parce qu'en fait, c'est une organisation qui est moribonde déjà. Une organisation où les Américains ne respectent pas. Parce que les gens qui ont commencé ce manque de respect aux Nations Unies, c'est les Américains et les Israéliens. Surtout Benjamin Netanyahu. Il y a tellement de résolutions que l'Israël a refusé de les respecter parce qu'il y avait un extrémiste au gouvernement qui s'appelle Benjamin Netanyahu. Et toutes les administrations américaines pensent que les Nations Unies, c'est un instrument qui les appartient, donc ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. Regardez la première ou deuxième guerre du Golfe. Les Américains ont décidé à travers George Bush de faire une guerre illégale contre l'Irak sur la base de mensonges, tissus de mensonges. Et les amis, ils n'ont pas voulu écouter quelqu'un. Et là, on est en train de parler de quoi? De la refonte des Nations Unies avec les sièges permanents. Je vous suggère, avant de continuer l'analyse, les amis, d'écouter Joseph Biden. I want to get things done together. Nous devons avancer ensemble et pour cela, nous devons construire une organisation des Nations Unies nouvelle et plus inclusive. Nous devons nous adapter à de nouvelles voies et de nouvelles perspectives. Nous voulons reformer et augmenter le nombre de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est important ce qu'il dit, mais il faut aller au fond pour comprendre pourquoi il dit cela. Et essayer de regarder le sud global aujourd'hui ou le monde entier. Ce qui anime Joe Biden, c'est de contrecarrer la Chine, la Russie. Parce que Joe Biden ne parle pas uniquement de l'Afrique, il parle aussi de l'Inde. Donc, l'Afrique doit avoir deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais pas avec un droit de veto. Listen to me carefully. L'Inde certainement aura un siège proposé par les Américains et soutenu par les Occidentaux et un droit de veto. Mais le truc, c'est quoi? C'est que les Américains ont une alliance qu'ils ont signée avec l'Inde, l'Australie, pour contrecarrer la montée de la Chine. Voilà ce qui les anime. C'est pour cette raison que je dis toujours dans cette plateforme qu'à chaque fois que nous analysons l'actualité du monde, la géopolitique, tout ce qui concerne les stratégies dans le monde, il faut que nous analysons ça avec les yeux de l'Africain que nous sommes pour mieux comprendre cela. L'Afrique, c'est le continent le plus vaste au monde. L'Afrique, c'est le continent le plus riche en termes de sous-sol, matières premières au monde. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune au monde. Mais l'Afrique, c'est le continent où Joe Biden pense que c'est une faveur de donner deux sièges permanents. Ça peut être l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et sans droit de veto. Parce qu'ils veulent continuer à contrôler l'Afrique. Voilà ce qui les anime. Parce qu'ils savent que s'il y a un droit de veto, la France, sa puissance, c'est parce qu'elle utilise cette position privilégiée pour dire que je parle au nom de l'Afrique. Personne n'a mandaté la France pour parler au nom de l'Afrique. Et là, ça va disparaître. Mais seulement si on donne le droit de veto aux pays africains, ça sera compliqué d'empêcher les pays africains de se protéger, d'avoir les armes et autres, parce qu'ils ont ce même droit-là au sein des Nations Unies. Mais aucun chef d'État africain digne de ce nom ne devrait accepter cette bullshit. C'est le non-sens total. Un siège permanent ou deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies sans droit de veto, c'est comporter un habit sans caleçon. Il dit, c'est comporter un habit sans caleçon. Ça ne va servir à rien, je répète, ça ne va servir absolument à rien. Si nous voulons qu'on nous respecte, à un moment donné, il faut commencer à boycotter ces Nations Unies-là pour passer un message. L'Inde, c'est 1 400 millions de personnes. D'accord, mais regardez la superficie de l'Inde. It cannot compare to Africa. In Africa, the landscape of Africa or the surface area of Africa, China can come in, India can come in, the United States can come in, the Australia can come in, Europe can come in. You understand? Donc, ce n'est pas en Afrique qu'il faut faire cela. Ils sont en train de transformer
les Nations Unies, à la Société des Nations, la Société des Nations, de League of Nations. C'était ce qu'on appelait, les historiens ont appelé ça, les historiennes ont appelé ça, et toutes les bulldogs. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec les Nations Unies. Oh, quand c'est leur histoire, il faut aller au Conseil de sécurité, voter les résolutions et implémenter. Mais quand ça concerne les autres, non, on a nos intérêts là-bas, on ne peut pas entrer là-bas, il faut tout empêcher. C'est comme ça qu'ils procèdent. J'ai écouté deux discours des gens qui ne sont pas africains, parce que si je parle de discours de l'AES, dont le ministre des Affaires étrangères nigérien que j'ai applaudi, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso que j'ai applaudi, le ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement que j'ai applaudi, c'est le Malien. Mais les autres, les amis, c'était que des gens qui parlaient des choses qui ne nous concernent pas, mais qui veulent notre implication. C'est-à-dire qu'ils disent des choses qui ne nous concernent pas, mais ils veulent qu'on les soutienne par rapport à cela. Et quand nous, on parle des choses qui nous concernent, ils ne sont pas là-dedans. Donc, ça croit que quand ils pleurent là, nous devons pleurer avec eux, comme Boni Yayi était allé pleurer en France, après l'histoire de Charlie Hebdo là. Rappelez-vous très bien. Mais incapable de pleurer quand les terreaux font mal en Afrique. Bref, il n'est plus président. Donc, ces choses-là, on doit comprendre. Les Nations Unies n'ont plus d'importance aujourd'hui. Et les Nations Unies vont disparaître si des soi-disant puissances-là, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis ne comprennent pas grand-chose. Du moins, c'est des deux autres. La Chine et la Russie ont compris et ils sont en train de pousser pour le respect de l'Afrique. Par contre, les trois autres qui sont les Caucasiens et dans l'Occident collectif sont en train de se comporter comme si c'est une faveur. Non, l'Afrique ne veut pas deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies sans droit de veto. Ça ne sert absolument à rien. Thank you, friends, and bye-bye.